Comment vous pensez qu'un médecin peut me croire lorsqu'on dit qu'un bébé est en train de faire 4 ans et que ça n'existe plus dans le ventre? On ne voit plus ça. Et moi je dis, il y a bébé. Quand je vais prier, le bébé va sortir. Et le bébé sort. Et l'échographe voit ça. Comment cela est possible? On appelle ça le côté mystérieux de Dieu. Comment vous pensez que quelqu'un qui a fait ses études après le bac a passé 10 ans en étudiant ou bien 15 ans pour une spécialité et il sort professeur, chirurgien et maintenant il dit l'estomac de telle personne a eu de déchirure, son intestin est coupé et que lui doit opérer. Si on n'opère pas, la personne va mourir et la personne est en train de souffrir. Et toi tu dis, il n'y aura pas couteau. Mais ça va partir. Il va comparer Dieu. Regardez-moi, c'est de la bêtologie. Et il va me dire maintenant, c'est un analphabète. Il ne connaît rien. Parce que la raison dit qu'il périt. C'est ce que l'appareil montre. Le monde ne peut pas nous supporter. Mais le monde sera toujours contre nous. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce que nous faisons. Parce qu'ils ne sont pas de notre monde. Et ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Mais ils sont étonnés. Au moment où la personne est debout. Et on regarde la personne. Power. Holy Ghost. Et subitement la douleur est partie. Je ne sens plus rien. Non, je ne sens plus rien. Un mois, 5 mois, un an, il n'y a plus de problème. On fait échographie, on ne voit plus rien. Il va dire non, le gars n'était pas malade. Il y avait peut-être une erreur au niveau de l'échographie. Il dit non, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça et guérir? Jésus dit, si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Apôtre Paul dit, mon discours n'est pas basé sur la sagesse humaine. Ma prédication, ce n'est pas la sagesse humaine. Même ma prédication est basée sur la démonstration. L'onction est obligatoire. L'onction n'est pas bavardage. Si vous voulez faire bavardage, allez au cimetière. Allez dans les réunions politiques. Là, il y a des discours bien basés sur la sagesse humaine. Mais en Jésus, c'est la démonstration de l'esprit et de puissance.